Le prince de Galles a rendu hommage à la reine et à quel point il était « fier » de sa grand-mère avant sa mort. La reine Elisabeth II est décédée il y a presque un an jour pour jour, à l'âge de 96 ans, après 70 ans de règne. Le palais de Buckingham avait alors publié une déclaration confirmant la nouvelle, disant « La reine est morte paisiblement à Balmoral, sa retraite écossaise préférée où elle a passé la plupart de ses étés. » Les hommages ont immédiatement afflué du monde entier, notamment de la part des membres de la famille royale alors qu'ils pleuraient la perte de Sa Majesté. Le roi Charles III a rendu hommage à sa défunte mère, affirmant que son décès était « la plus grande tristesse ». Le duc et la duchesse de Sussex ont également marqué ce moment sombre en modifiant la page d'accueil de leur site web Archewell, avec les mots suivants. À la mémoire de Sa Majesté la Reine Elisabeth de 1926 à 2022. La reine était à la tête de la famille royale, et de la nation, depuis des décennies, et son importance a été résumée dans un hommage émouvant du prince William quelques mois seulement avant sa mort. S'exprimant lors du concert du Queen's Platinum Jubilee en juin 2022, le duc de Cambridge a salué sa grand-mère pour son travail environnemental pendant son règne. Dans son discours, le prince William a exprimé à quel point il était « fier » de la reine et du duc d'Édimbourg, le prince Philippe. Il a déclaré « J'espère fermement que les paroles de ma grand-mère seront aussi vraies dans 70 ans qu'elles le sont ce soir et qu'en tant que nation, nous nous rassemblerons pour une cause commune, car il y aura alors toujours de la place pour l'espoir. Je suis si fier que mon grand-père et mon père ont participé à ces efforts. » Il a poursuivi « Même si aucune grand-mère ne les remercie d'avoir parlé de leur âge, ma propre grand-mère est en vie depuis près d'un siècle. » Durant cette période, l'humanité a bénéficié de développements technologiques et de percées scientifiques inimaginables.